Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui sur FS19 pour un nouvel épisode sur la série Ma ferme en Isère. Donc, au programme de la vidéo, ça va être comme vous l'avez vu dans la description et dans la miniature. Au programme de cette vidéo, ça va être épandage de fumier dans les champs. Vous voyez, au niveau du fumier, on a un peu de stock. En plus, c'est une activité qu'on n'a encore pas faite, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite activité d'épandage de fumier en vidéo. Ça change, c'est une activité qui change un peu. Puis les champs ont besoin d'être fertilisés, donc au lieu de mettre toujours, ça nous coûtera moins cher que de mettre de l'engrais avec l'épandeur à engrais. Donc autant utiliser le fumier qu'on a en stock pour aller fertiliser nos champs. Donc au niveau du... Je vous fais un petit point vite fait, un petit tour vite fait du matériel. Donc ce tracteur là, je vous le présente plus, hein, c'est le nouveau tracteur qu'on a acheté dans la dernière vidéo qui vous a plutôt bien plu. Donc tracteur Fendt 1038 One. Donc vu le prix qui nous a coûté 400 000 euros le tracteur. Ça serait dommage de pas l'utiliser. Donc on va réutiliser ce tracteur là dans la vidéo.
Donc le Fendt 1038 derrière l'épandeur Roland du pack Roland d'Univers Simu, de mon petit Bruno d'Univers Simu à qui je passe le bonjour si tu passes par là. Donc le petit épandeur Rollforce qui est très très bel épandeur. Et bah, le Manitou pour charger l'épandeur, le Manitou. Donc sans plus attendre, on va commencer à charger. On va commencer à charger notre répondeur. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va bien. Toujours aussi content de vous retrouver en vidéo sur cette série. Une série qui avance, comme je vous disais dans la dernière vidéo, une série qui avance plutôt. Qui se développe plutôt pas mal. C'est déjà bah déjà le on arrive déjà au 14e épisode sur cette série-là, donc c'est déjà le 14e épisode, donc c'est quand même une série qui on a déjà fait quand même pas mal d'épisodes, donc c'est une série qui évolue bien. Pour tout vous dire aussi les gars, ça fait au moins 1 heure que j'essaye de tourner la vidéo, ça c'est un calvaire là, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais là aujourd'hui ça veut pas, et quand ça veut pas, il y a... Je vous dis, ça fait 1 heure que j'essaye de tourner cette vidéo, ça fait 2 fois que je recommence. Pour tout vous dire les amis, j'ai tourné une première fois la vidéo. J'ai tourné une première fois la vidéo, ouais, donc. Quand j'ai eu fini de tourner la vidéo, je l'ai écouté, voir. Avant de faire le montage, j'ai écouté, voir ce que ça donnait. Et là, je me suis rendu compte, encore OBS qui me fait des siennes. Le son de ma voix était dégueulasse tout simplement, donc et je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo, hein, comme d'hab. On va l'arrêter lui. Donc j'ai dû recommencer une deuxième fois. Donc j'ai effacé ce que j'ai fait, j'ai recommencé à tourner une deuxième fois la vidéo. Hop, on va mettre le petit GPS là. Donc j'ai retourné une deuxième fois la vidéo. Et quand j'ai fini de tourner la deuxième vidéo, je me suis aperçu que j'avais le son. Là ce coup-ci le son de ma voix, le son était bon, mais j'avais pas l'image. Voilà, donc je recommence une troisième fois. J'espère que là c'est la bonne. Donc pour tout vous dire, c'est un peu la galère. Aujourd'hui c'est un peu la galère pour tourner une vidéo. Il y a tout qui... Il n'y a rien qui va. Il y a des jours comme ça, il y a des jours qu'il n'y a rien qui va. C'est comme ça. On fait avec. Hop, on est parti pour épandre un peu de fumier. On va se mettre en vue intérieure. Donc voilà les amis, pour tout vous dire, c'est un peu la galère pour tourner cette vidéo là. Bon, en tout cas j'espère qu'elle vous fera plaisir. Parce que vu comment que je galère pour. Vu comment que j'ai galéré pour la tourner. J'espère que cette petite vidéo avec cette petite activité d'épandage de fumier vous fera plaisir. Comme je vous disais, c'est une activité qu'on n'a encore pas faite sur la série. Et vu que nos champs ont besoin d'être fertilisés, donc ça tombe plutôt pas mal. Hop. Bien sûr, avec le GPS, ça fonctionne plutôt bien.
Ça permet d'aller droit. Donc, pour répondre aussi, dans la dernière vidéo, dernière vidéo qui vous a plutôt bien plu aussi, on avait bien sûr évidemment acheté ce tracteur-là. Donc un achat qui vous a fait plaisir, dans l'ensemble ça vous a fait plaisir le nouveau tracteur. Et pour répondre à la question que je me posais dans la dernière vidéo, je me posais, est-ce que, je vous avais demandé est-ce que cet intérieur, est-ce que ce Fendt 1000 avait cet intérieur-là en Fendt One. Et j'ai un abonné qui m'a envoyé un petit article de la France Agricole. Donc pour résumer, ces tracteurs-là existent bien avec ces intérieurs-là en Fendt One. Donc ces tracteurs-là ainsi que les 900 S5, ils existent bien avec les nouveaux intérieurs comme ça. Donc les premiers tracteurs qui sont sortis avec les intérieurs comme ça, Fendt One, c'est les 300 et les 700. Et ensuite les 900 S5 sont équipés, c'est tout récent hein, d'après ce que j'ai lu sur l'article. Les 900 S5 sont équipés et désormais vont être équipés des nouveaux intérieurs comme ça en Fendt One, ainsi que les 1000. Donc voilà pour répondre à la question que je me posais dans la dernière vidéo. Donc ces tracteurs-là existent bien. Après je ne sais pas s'ils sont déjà sortis sur le marché du commerce. Bon, en tout cas, s'ils sont pas sortis, ces tracteurs-là sortiront avec ces, les, avec les, bah, tout, tous les Fendt sortiront avec les nouveaux intérieurs. Donc les derniers à sortir, c'est les 900 S5 et les 1000. Donc c'est des tracteurs qui vont bien sortir avec les nouveaux intérieurs. Donc je remercie l'abonné qui m'a envoyé le petit article. Je sais plus ton pseudo, faut que je regarde. Je vais regarder son pseudo tout de suite pour pas dire de conneries. Donc voilà, je remercie Scarner qui m'a envoyé l'article. Donc voilà, je te remercie, Scarner, un fidèle de la chaîne. Un fidèle de la famille, family même. Scarner, on le voit souvent sur les vidéos de mes compères, on le voit souvent sur les vidéos de Jérémy, sur les vidéos de mon petit Céd et sur les miennes bien évidemment. Donc voilà, Scarner, je te remercie pour l'envoi de cet article tout simplement. C'est un article qui m'avait envoyé sur Instagram. Donc voilà, c'est un article qui est fiable hein, parce que c'est tiré de la France Agricole. Donc la France Agricole, pour ceux qui connaissent, c'est un journal fiable. Donc voilà, au moins ça a répondu à mes questions. Je me demandais si ces 1000 existaient avec ces intérieurs là. Ils existent tout comme les 900 S5 qui vont sortir aussi avec les nouveaux intérieurs. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère qu'on les aura sur le 22. Et je sais pas si tout passera dans les pendeurs. Là, on va bien voir. Il me semble que j'avais 30. Il me semble que j'avais 40 000 litres de fumier. Voilà, on va vite arriver à FS22 dans un mois. Dans un mois tout pile, on sera à FS22 les gars, donc autant vous dire que ça va arriver assez vite. Hein. Il nous
il nous reste moins de 10 épisodes sur cette série là. Moins de 10 épisodes sur FS19, donc hop, on va vider ce qu'il nous reste. Et on est reparti pour aller épandre le deuxième épandeur. Et voilà, on est reparti. Bien évidemment, comme d'habitude, je passe le bonjour aux nouveaux abonnés. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je passe le bonjour à tout le monde. Je passe le bonjour bien évidemment à tous mes compères de la Farming Family, donc mon petit Jérémy, mon petit Ced, mon poteau Juju Neosis Gaming, mon petit Vincent le Paysan. Voilà, je passe le bonjour à tout le monde. Je passe le bonjour aussi à tous mes abonnés, aux fidèles de la chaîne. Et je remercie, comme d'habitude, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui mettent des commentaires, tous ceux qui mettent des j'aime, tous les fidèles. Et je vous remercie. Je passe le bonjour également à ma petite Flore. Une petite Flore à qui je fais un gros bisou si tu passes par là. Voilà ma petite Flore, je te fais un gros bisou. Une activité qui change. Petit épandage de fumier. C'est toujours plaisant comme activité à faire. Donc comme vous avez vu aussi dans l'accéléré, en début de vidéo, j'ai fini de labourer les deux champs qu'on avait commencé à labourer dans la dernière vidéo. Et comme vous avez vu aussi dans l'accéléré, je les ai semés. Donc comme je vous avais dit, j'ai semé le nouveau champ en seigle, vu que c'est une culture qu'on n'avait pas encore. Donc j'ai fait tout ça. J'ai semé tous ces champs là, comme vous avez vu, dans l'accéléré, en off. C'est vrai que le tracteur fait quand même balèze à côté du. À côté de l'épandeur, le tracteur il fait quand même. Il fait quand même monstre. Mais bon, faut se faire plaisir, hein. vu le prix qui nous a coûté, ça serait dommage de pas l'utiliser. J'espère que j'aurai assez de fumier pour finir le champ. À mon avis, ça va être tendu. J'espère qu'on en aura assez, on va bien voir. Hein. Peut-être assez, on verra. Bon, il y a eu assez. Voilà, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on va vite arriver à la fin d'FS 19, donc dans moins de 10 épisodes, on sera à FS 22. Ah, on est vide.
Donc c'est pour ça aussi que j'essaye de donner un petit coup de boost à la série. Parce que bon, on va vite arriver sur la fin de la série et c'est pour ça que j'essaye de lui donner un petit coup de peps. Bah, pour tout simplement bah, pour finir la série pour finir correctement cette série là avec et pour que ça soit aussi intéressant bah, pour que les vidéos soient aussi intéressantes à regarder pour vous. Voilà, qu'on finisse cette série bah, correctement avec du bon matériel, avec une belle ferme. Pour l'instant, c'est une série qui perd pas en vue. Hein, ça vous plaît toujours autant. Bon, après, comme je vous disais, la map y est pour beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est une série voilà, que j'essaie de développer au maximum avant la fin des phases 19. Donc une série qui commence à devenir vraiment intéressante. Hop, on va finir de dépendre ce qui nous reste. Donc là, c'est vrai qu'on commence à bien développer la ferme. Que ce soit au niveau du matériel ou des champs, on commence déjà à avoir une belle ferme. Avec du beau matériel. On a des vaches qui commencent à nous rapporter pas mal d'argent, à nous produire pas mal de lait. Mais il nous reste encore pas mal de choses à faire pour. Mais je pense qu'on finira la série correctement, j'ai envie de dire, sur une belle note. On finira cette série avec une belle ferme tout simplement, avec de l'argent, du matériel, voilà, on terminera la série pas dans le rouge. On aura bien développé la ferme et je pense qu'on terminera sur cette série superbement bien. On va épandre ce qui reste là, de toute façon pour ce qui reste on s'en fout. On va vider ça comme ça. Hop. Allez voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous restera encore à faire sur cette série, il nous restera de l'épandage de lisier, il faudra qu'on fasse aussi. On aura de l'épandage de lisier à faire. Hop, on va laisser le tracteur là. Faudra que je lui trouve une place à cet épandeur. Que comme vous voyez, on commence à avoir pas mal de matériel. Ça commence à devenir compliqué pour ranger le matériel. Vous savez que j'aime bien ranger le matériel à l'abri. Donc ce qu'on va faire pour finir la vidéo, on va aller vendre le lait. J'ai vu qu'on avait pas mal de lait à vendre, on va regarder. Puis ça fera l'occasion aussi d'utiliser ce. Ça fera l'occasion d'utiliser ce petit Fendt 301. C'est un tracteur, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup. Bah, j'utilise pas beaucoup en vidéo. Je m'en sers beaucoup. Vous voyez, on a 11 000 litres de lait à vendre. Donc on va aller vendre le lait. On va aller vendre le lait pour terminer la vidéo. Et puis on sera pas loin. Bah, on est déjà pas loin de l'heure de. On est déjà pas loin de l'heure de fin. Hop. J'ai même pas regardé le prix. On va regarder le prix avant. Vas-y, enregistre si tu veux. On va regarder le prix du lait avant d'aller le vendre. 2400. Ouais, presque 2500 euros. Ouais, c'est pas trop mal. C'est plutôt un bon prix. Bah avant la fin de la série aussi, il faudra qu'on achète. On aura nos moutons à hacher aussi.
Mais je pense que les moutons, ça attendra la prochaine moisson qu'on a un peu d'argent. Donc ouais, je pense que le prochain achat, ça sera les moutons. Comme ça, on terminera la série avec tous nos animaux. On aura une belle ferme avec tous les animaux, des champs, du beau matériel. Donc je pense que c'est une série qui va superbement qui va bien se terminer. Faut mieux finir une belle série, ouais, faut mieux finir une série comme ça avec une ferme qui se développe qu'une ferme qui est en train de qu'une ferme voilà qu'on terminer une série quand on est dans le rouge, quand on est dans la merde. Une ferme qui est en train de couler, c'est pas intéressant non plus. Donc nous, je pense que ce sera pas le cas. On va bien terminer la série sur les quelques épisodes qui nous restent avant FS22. Je vais continuer à développer la série au maximum. Et je pense qu'on va terminer, on va bien terminer cette série. Après, bon, on arrivera vite, voilà, comme je vous ai dit, hein, on arrivera vite sur FS22. Donc là ça sera à nouveau, il y aura d'autres choses. Hop, on va vendre le lait. Et on se quittera là, les amis. On va voir combien que le lait nous rapporte. Ouais, c'est l'église qui est juste derrière. On va voir combien que tout ce lait nous rapporte et on se quittera déjà là, les amis, parce que déjà dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais raccourcir le temps de vidéo, et la dernière vidéo a fait voilà le lait. On va partir de là parce que les cloches c'est un peu chiant. Voilà, 32 000 euros pardon, les 12 000 litres, donc c'est plutôt correct. Donc voilà, les amis. On va déjà se quitter là. Donc je vous disais, ouais, que je vais essayer de raccourcir comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, que j'allais essayer de faire un format de vidéo plus court. Donc la dernière vidéo a quand même fait 37 minutes. Donc là, je pense qu'on est pas loin des 30 minutes déjà. Donc on va se quitter là pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo, ce petit épisode vous aura plu, cette petite activité d'épandage de fumier également. Une activité qu'on n'avait pas faite sur la série, qui change aussi. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, les gars, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eddie Farmer, ciao les amis.